précédemment dans Hardline. Voici Léo Ray. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Tu lui servais tout sur un plateau et t'as tout foutu en l'air. T'es une vraie pipelette. D'une, vous êtes des as de la pro. De deux, vous êtes pas foutu de rester discret. C'était quoi ce bordel-là? Vous vouliez me voir? Asseyez-vous, Mendoza. Je vais faire quelques changements pour vous deux. T'inquiète, il va pas te coller à la circulation. Non, pas tout de suite. Donc, Léo, notre cher ami, nous a dit ce qu'il savait et il est reparti tranquillement. Il voulait pas de notre protection, alors? Dites à Nick ce que Léo nous a apporté. Des ballots de drogue. Sans déconner. Les avions volent, les drogues tombent, plouf, dans les Everglades. Montrez-lui. Une carte de pêche. Qui a monté l'opération? Un connard du nom de Rémy Nels. Il y a encore 2 ans, ce Nels n'était rien d'autre qu'un petit point sur le radar. Aujourd'hui, il dirige toute l'organisation qui a employé Tyson Latchford. Il a l'air d'un mec ambitieux. En effet, je veux que vous rappliquiez dans ce trou boueux qui nous sert de parc naturel pour découvrir à quel point il l'est. Mais je comprends pas pourquoi Léo aurait dénoncé son boss avant de repartir tranquillement. Léo a dit qu'il ne se sentait plus vraiment en sécurité avec les flics. Ce sera tout. En fait, Mendoza, je dois vous parler. D'accord. Votre équipière est une vraie tête brûlée. Elle croit en ce qu'elle fait, chef. Bonne réponse. Assieds-toi, fiston. Ça risque de nous retomber dessus, ce qui s'est passé à l'Elmore. Brutalité excessive, etc., etc. Ne t'en fais pas, je m'en charge. On est reconnaissant. Mm-hmm. Merci, chef. Ça va, ta mère, inspecteur? Excusez-moi. Je suis sûr qu'elle a enduré pas mal de choses pour te faire sortir de Cuba. On ne devient pas inspecteur à ton âge sans que ton passé soit examiné à la loupe. Et ton passé est plutôt chargé. Chef, ce... Ah, c'est rien. Je sais ce que c'est que d'avoir un connard comme père, moi aussi. Ça m'a pris du temps pour trouver mon chemin. Tu es... sur la bonne voie, fiston. Alors reste-y. Pourquoi cette carte pourrie que Léo nous a refourguée? L'échelle est complètement faussée, mais c'est censé être là. Il l'a filée à Dose sans se faire prier. Comme ça, gentiment. Oui, ben, gentiment ou pas, elle est merdique, franchement. Il y a un truc que je capte pas. Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui lui met la pression. Léo tient à ce qu'on sache que quelqu'un balance cette cam. Histoire qu'on élimine ses concurrents. J'ai raison. Léo sait qu'il est grillé à Miami. Ma main coupée qu'il est en train de monter en ce moment même, un labo de stup dans l'Iowa. Au fait, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris de lui foutre une raclée pareille? Léo me faisait vraiment chier, je voulais qu'il se calme un peu. Ouais, mais la police des polices aussi aurait pu te faire chier, tiens, pensez à ça. Ah, voilà. Rapproche-nous du point de livraison. Les trafiquants suivent leur paquet par radio. Ce numéro sur la carte de Léo, ça doit être la fréquence. Et regarde un peu ça. On a un signal. Rapproche-moi d'un paquet et je le marquerai avec une fléchette. Quelqu'un va venir récupérer tout ça. À l'époque où les cartels passaient la drogue par Miami, les marais grouillaient de trafiquants. Peut-être que l'histoire se répète. Faut espérer que non. Dans le temps, les types du cartel profitaient des fêtes d'anniversaire de leur môme pour s'entretuer. Ouais, je me souviens. J'étais tout môme à l'époque, j'ai vu un tas de saloperies. Du sang coagulé sur le trottoir, des pile-boules avec la gorge tailladée. Comment ta mère a fait pour t'empêcher de basculer? C'est peut-être un peu banal. Elle travaillait beaucoup. Et elle m'aimait. Oui, banal à en crever. Le fiston à sa maman. J'aurais jamais cru.
Débarqué. On va voir où il va. J'ai un autre signal. Ça marche. Ce paquet pèse au moins 10 kilos. L'Amérique aime la fête. Je dis juste que c'est pas des amateurs qui font ça. Doz nous enverrait pas ici si c'était le cas. Mettons que les cartels se servent encore de Miami pour faire passer la cam. Ça leur servirait à quoi? À mon avis, le Mexique est devenu trop dangereux. Le trafiquant de base risque toujours la prison, mais pas de se faire décapiter par le premier truand venu. L'Amérique aime la fête, en effet. Et au fait, c'est pas rien que Doz nous ait mis sur l'affaire. Tu t'en rends compte, j'espère? Oh, je sais. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on fait, on pourra rien présenter pour un juge. On s'en branle. C'est plus marrant comme ça. Et au fait, le capitaine Doz, c'était une vraie terreur quand il était jeune. Ouais, c'est ce qui paraît. C'est quand même un peu risqué de bosser comme ça. Un petit conseil. Tu veux être le chouchou du capitaine? N'y va pas par quatre chemins. Alors c'est comme ça? Faut se la jouer à la cow-boy? Tu commences à piger. Un signal près de ce parachute. Bon, je vais jusqu'au pied. Pas mal de crocos par ici. Y a pas à s'en faire. Ils ont plus la trouille de nous que l'inverse. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. T'as le droit de dire merci. Ok. Merci. On devrait peut-être rester sur la piste. Plus la trouille de nous que l'inverse, hein. Ouais, en tout cas, sortons de l'eau. Il faut qu'on monte sur cette plateforme. Essaie avec ce grappin. Je l'ai... Soit. T'as jamais utilisé un grappin de ta vie? Non. Lance le grappin vers la plateforme. C'est les narcos qui ont construit ça? Ce sont des vieilles plateformes d'observation. Pour les touristes. Ça va, Kai? Comment va l'épaule? Un mal de chien.
J'ai aussi une tyrolienne. T'étais bien préparé. Vise ses planches, c'est un bon point d'accroche. Dans le mille. Suis-moi! Qu'est-ce que dit ton scanner? Kai, on a de la compagnie. Au moins, c'est pas une carte totale. Il y en a encore une bonne moitié de nickel. Je sais pas, l'autre moitié est pleine de feuilles et de saloperies. Barnels nous en voudra pas si on débarrasse de ça. Hey, c'est pas le genre de la maison. C'est qui, la maison? Nous. On travaille tous pour Nels. Rémi s'occupe bien de ses hommes. Ouais, bon. Moi, je m'occupe de moi-même. Fais comme tu veux. Les gamins pichent pas la tête. Tu crois qu'il va parler? Bon, merde. Je connais un mec en ville à qui on peut passer un kilo, il s'appelle Tam. Il connaît du monde, on n'aura pas besoin de marcher. Je suis sûr que ce mec va dire quelque chose à Rémi. T'inquiète pas pour lui. Faut qu'on trouve un moyen de sortir la cave sans que Nels s'en aperçoive. Tu sais, Nels n'a jamais tué personne. En tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que j'ai pas vraiment peur. On embarque juste quelques kilos pour notre gueule. On n'est pas trop gourmands. Il est juste là! Faites gaffe! C'est dégagé. J'ai trouvé une fréquence. 120.13. Ça donne quoi? Oh. Vise-moi tous ces jolis points lumineux, partout sur le lac. On n'a qu'à prendre un bateau pour aller voir. Des renforts? On n'est pas vraiment dans notre juridiction. Trouvons Nels d'abord. Il est plus ambitieux que je pensais. Les sacs à merde de chambre. Tu sais ce qui me fout le plus la trouille dans cette guerre de la drogue? Le vainqueur aura du fric et des flingues à plus savoir qu'en faire. Ouais. Et une fois qu'ils auront fini de s'entretuer, ils s'en prendront à nous. C'est reparti comme dans les années 80. C'est pour ça que Dawes veut y mettre un terme tout de suite, avant qu'on en arrive là. Alors si on doit sortir un peu des clous, même, carrément, ça me dérange pas. Ça sauvera des vies. C'est pas faux. Alors pourquoi t'as pas l'air convaincu? Parce qu'il va se passer quoi au final? Pour en finir avec les gros poissons, les parrains, et pour que ce soit définitif, il va nous falloir bien plus que des armes à feu. J'en sais rien. Quoi? C'est un jeu dangereux, inspecteur. Tant mieux. C'est le jeu que je préfère. On n'est pas tout seul.
scan pour chercher les alarmes. Ce que je me demande, c'est ce que Rémi aurait là, fait sans leur offre. Je crois que c'est la ouais. On peut y aller discrètement ou foncer dans le tas. C'est toi qui vois. On a perdu. Il y a pas mal de monde. Qu'est-ce que t'en dis? On avance. Rémi croit que ce grand méchant loup va l'aider. De la cam, du fric ou des flingues. Il suffit de fouiller pour le savoir. Très roots, leur matos. Au moins, on est sûr que ça capte ici. Ce type avait rendez-vous dans un stade un peu plus tard. Le stade le plus proche se trouve à Miami. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit ça. Bon. Il est temps de continuer. Encore d'autres endroits à inspecter. Ok, on retourne au bateau. Ça se tient que les cartels reviennent dans les Everglades. C'est grand et bon, c'est vite. Pour l'instant, tout ce qu'il nous faut, c'est trouver Nels. Tu penses que Nels bosse avec les cartels? Non. Les cartels ont leur propre réseau. Là, c'est quelqu'un d'autre. Bon alors, tu sais quoi sur Nels? C'est un bourge qui a lâché l'école de cinéma. Il a commencé en cherchant à financer un film avec de l'argent sale. Laisse-moi deviner. Il a oublié de le réaliser. Oh non, il l'a fait. C'était de la merde. Thank you.
Y a un quai en face. On va s'arrêter pour le fouiller. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain. C'est Léo. Dawes avait raison. Il était en danger. Pourquoi il serait retourné voir Nels? Je vais le signaler. Merde. Je capte rien non plus. Faut qu'on y aille. Alors on le laisse? Dawes t'a expliqué pourquoi il a relâché Léo? Pas le garder. Gardez le pas. Sur les pieds, rien. D'avers, il est illégal. Illégal. Et il finit comme appât pour les crocos. Putain. Hey, Kyle. J'ai une question à te poser. Ouais, quoi? Entre toi et Tyson. Hein? Ça? Tu sais, une fille, ça a parfois des rancards. T'es sorti avec Tyson? Je l'ai rencontré en soirée. On est sortis une fois ensemble. Enfin, deux. Officiellement, deux. Attends, attends, attends. T'es sorti avec un dealer de coke? Courtier en coke. Il s'est aperçu quand que t'étais flic? Quand je me suis aperçu qu'il était courtier en coke. Écoute, t'es pas forcé de me croire, mais c'est un mec bien. On dirait une carte. Ça mériterait un coup d'œil.
aucune idée. Va au moulin avant, on a une vue aérienne. Reste à l'écart tant que t'as pas scanné la zone. Et qu'elle m'accompagne. Il doit y avoir plusieurs manières. Red, je voudrais pas le rater. Ok, écoutez, il y a un acheteur qui se pointe. Et alors? Alors faut qu'on ait l'air de pro. Des patrouilles, par groupe de deux, au boulot. Il s'était donné rendez-vous. Là, il se disperse. Approche-toi un peu. Aux alligators. C'est plutôt malin. Ouais. C'est loin de tout, accès facile à la mer et à la terre ferme, et des putains d'alligators. C'est les hommes de Ned. Tiens, réponds-leur. Tommy répond pas. Grouille. Hé hey. Non, non, tout va bien. Je suis là. Bon, c'est qui, là? C'est Antonio. Ah, il est en train de chier. Classe. Il doit aller au rendez-vous. Nels dit que c'est l'heure. Ça marche. Il doit aller où? Ah, t'occupe, Antonio. Tommy sait où il doit aller. Et dis-lui qu'on est en route. Une conversation sympa. Ce rendez-vous sur son téléphone. C'est avec Nels. Il a dit qu'ils allaient... Le Miami Aquatic Stadium est fermé depuis un bail. Ça doit être le point de rendez-vous. Allez, on se bouge. Et maintenant, il se passe un truc. Je tiens, quelqu'un te tire. Il y a quelqu'un là. Le stade est un peu au sud d'ici. Accroche-toi.